Est-ce que l'adoption d'une motion de censure pourrait être une réponse aux aspirations de la jeunesse et de ceux qui contestent cette réforme? Ça aboutirait exactement au résultat inverse. Pourquoi? C'est-à-dire à faire tomber le gouvernement et à donner le pouvoir à la droite qui, elle, est contre la loi El Khomri, non pas parce que ça dérégule et précarise, mais parce que ça ne dérégule pas assez et que ça ne précarise pas assez. Donc, attendez, autrement dit, une motion de censure, aujourd'hui, ça donne le pouvoir à la droite. Aboutirait au résultat exactement inverse des aspirations de ceux qui sont mobilisés contre cette réforme. Et donc, la solution... n'y a pas de raccourci possible. Donc ça veut dire que demain, attendez, pardonnez-moi, mais demain vous ne voterez pas la motion de censure de la droite comme compte le faire par exemple André Chassaigne pour le Front de Gauche. Non, je ne voterai pas la motion de censure de la droite. Non, c'est extrêmement clair. Les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis.